Salut, c'est Megadriver 16 sur le jeu Star Wars Battlefront 2. Et aujourd'hui, des vaisseaux spatiaux, des batailles dans l'espace, avec orienté sur la dernière série de films, 7 et 8 en particulier. Ici, avec ce X-Wing, je crois que c'est un X-Wing, avec le petit robot là qu'on reconnaît bien, j'ai oublié les noms de chacun, mais on va les retrouver ici. En tout cas, un nouveau protagoniste qu'on voit, le pilote que l'on voit dès l'épisode 7, qui devient un copain avec Rey, mais qui disparaît assez rapidement d'ailleurs pour revenir plus tard. Et le petit robot en boule là qui est devenu une mascotte, qui est devenu très célèbre, mais ce vaisseau je ne l'avais pas testé. Donc c'est Poe Dameron, effectivement, avec son X-Wing T-70, facilement reconnaissable, en compagnie de son fidèle partenaire BB-8. Et ben voilà, tous les noms se retrouvent ainsi. Et on va jouer avec contre le Premier Ordre dans une mission arcade de l'espace pour contrôler un petit peu celui-là et le Faucon Millennium façon modifiée dans l'épisode 8. Parlons d'Ocardician. Arcade personnalisée, combat spatial en équipe, c'est bien ça. Je vais contrôler la résistance, c'est pas le premier ordre. Et donc le destroyer stellaire de classe résurgent, un destroyer stellaire du premier ordre traverse. Non, c'est pas celui-là que je voulais faire, je crois. Ça, ce sera plutôt avec le Faucon Millennium. Ce serait plutôt... Voilà, l'évacuation de la base de la Résistance. Après la destruction de la base Darkiller, le Premier Ordre lance un assaut sur Dkar, tentant désespérément de gagner assez de temps pour évacuer la Résistance active des générateurs de champs gravitationnels improvisés avant que l'ennemi ne débarque en force. L'ennemi, c'est le Premier Ordre, et c'est parti tout de suite avec la Résistance pour revivre une des scènes des nouveaux films. L'évacuation donc de cette base rebelle. Alors, le voici, notre X-Wing T-70 de Poe Dameron, avec affichage de ses capacités, réparation de BB-8, ça c'est ok, LB plus RB, Black Leader. Pendant Black Leader, tous les ennemis à portée sont révélés aux joueurs alliés. Ces ennemis subissent des dégâts accrus de toutes parts, d'accord. Double torpille à proton, ça c'est avec RB, d'accord, deux torpilles d'un coup. Et module d'accélération amplifié, confère au chasseur une accélération temporaire, une résistance aux dégâts et brise de verrouillage de missiles ennemis. Ce mode d'accélération amplifié est annulable après un court instant. Bon, ok. Et bien c'est parti pour l'évacuation de la base rebelle. Je croyais qu'on était au-dessus d'une planète, moi. Donc c'est ici. Elle est là, la planète. Ce qu'il va nous falloir, c'est trouver des ennemis. Alors ça, c'est un vaisseau rebelle. Pas de souci. Ah, je suis pas dans le bon... Je suis parti dans le mauvais endroit. Donc, où sont les ennemis ? Attention, regardez l'intérieur de notre vaisseau. Alors, c'est pas ça. Ah, mais c'est bizarre. Je pensais que généralement, on voyait l'intérieur du vaisseau. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà. Des ennemis, il y en a ici. Il y en a un qui s'est fait dégommer. Voilà. Alors, 90 restants. Tiens, ici, il y en a un petit qui pourrait être sympa. Faudrait que j'essaye de le torpiller. Ben, je lui ai envoyé la torpille, là. La double torpille. Il faut peut-être d'abord les cibler, bien sûr. On va ralentir un petit peu. Voyons s'ils aiment ça. Ouais, je les ai envoyés un peu n'importe quand, je crois. Hein.
Ouf, on est passé dans l'explosion, c'est même pas nous qui l'avons dégommé, mais bon. Et dans ce débris, dans cet amas de débris là, c'est pas évident. Allez, envoie les deux torpilles. Oh, ça va être bon, ça va être bon. Oui, on les a eu. Celui-là, il nous est passé au-dessus. On va faire une petite manœuvre à l'envers, c'est bon. Je sais pas si c'est moi qui l'ai vraiment eu, mais en tout cas, il n'est plus. Il leur en reste 66 au premier ordre. Donc l'évacuation se passe plutôt bien pour le moment. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on répare nous ? Ah, il y en a un qui a envoyé une torpille, c'est pas moi. Allez, bébé, vite, répare-nous un petit peu. Attention, les débris, j'ai pas envie de me les prendre non plus. Dans la tête. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a assisté. Oh, les débris, c'est pas évident de les éviter. Alors, on accélère un petit peu. Tiens, là, il y en a un ennemi. Si on pouvait le prendre en chasse proprement. En plus, il fume. Ça devrait nous permettre de mieux le voir. Si on pouvait l'avoir avec le... Merde. Ah oui, j'ai envoyé les torpilles, là. Il va se les prendre ou pas? Ouais, il se les a pris, j'ai l'impression. Il en reste 48. 48 éliminations restantes. Attention, là. Là, faut qu'on esquive un petit peu. On accélère. J'ai l'impression qu'on a été un petit peu pris en chasse. On ralentit parce que là, il y en a. Allez, allez, les doubles torpilles, là. Ben, je croyais qu'on l'avait bien ciblé. Apparemment, non. Allez, on active le super pouvoir, là. Merde. Il est là-haut, il est là-haut. Dans le mille. Retournez. Ah oui, je veux bien retourner, mais c'est où, là? Merde, merde, dans 3 secondes, on crève. Mais oui, je comprends bien. Je me suis pas fait battre par un vaisseau, je me suis fait battre parce que j'étais pas dans la zone. Je peux revenir, s'il vous plaît, avec mon super vaisseau? Si on tentait quand même. Ah ben voilà, cette vision, je me demandais pourquoi je l'avais pas tout à l'heure. Un petit bug ou quoi? La vision de l'intérieur. Il en reste 36. Donc là, si j'arrive à pas me cracher dans les éléments, c'est beau. Merde, on l'a pas eu lui. Là, c'est quand même encore plus de l'immersion. Tiens, lui, on pourrait pas l'avoir avec les doubles torpilles. Il est où celui qu'on a ciblé? Il est par là. Je suis même pas désolé. Ah, eh ouais, t'as raison de pas être désolé. Trente éliminations restantes. Là, il y en a un, là, voilà. Allez, 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 tire. Merde, 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 je suis plus dans la zone, encore une fois. Bon, faut revenir vraiment là-bas. BB-8, faut qu'il nous soigne, là. Merci. Il est pas loin, lui. Ah ben voilà. Ça, c'était une belle élimination. Allez, lâche tes doubles torpilles, là. Est-ce qu'elles vont faire leur effet? Oh, on l'a eu juste avant qu'il nous fonce dessus. Il en reste 21. Bon,
la zone d'évacuation se passe bien. Il est où le gros vaisseau d'ailleurs? Bon sang! Aïe! Aide-nous, bébé 8. Au milieu des débris là. Attendez, je vois plus trop les ennemis là. Là, c'est la surface de la planète. Il en reste 16. Ah, en voilà là. Allez, les doubles torpilles. Oh merde, il les a esquivés au dernier moment ou quoi? Module d'accélération amplifié. Ça, ça veut dire qu'on va comme des bourrins. Merde. Torpille larguée. Eh ben voilà, torpille larguée. Pas plus compliqué que ça. Ah, on a bien profité de cette vue, je pense que je vais revenir à la vue extérieure, il en reste plus que 10. On l'a eu ou pas? Oh, il est pas bien lui. Eh ben lui, il passe juste à côté de moi là, ça ne gêne pas. Cinq éliminations restantes. BB-8, il faut que tu nous aides là. Il est où? Oh, le voilà, celui-là, il est beau. Une élimination restante. Bon, ben, c'est pas nous qui allons la faire, je pense. En tout cas, la victoire pour les rebelles, puisqu'il nous reste 30. Il nous reste 30 chasseurs. Mais attendez, et les autres, ils veulent pas s'en occuper un petit peu? Là, il y a un ennemi, non, par là. C'est que j'ai pas envie. Voilà. Je ne voulais pas me scratcher contre un vaisseau. Donc, ben voilà, 8,59, la résistance qui s'est imposée sur cette évacuation de la base rebelle. On se retrouve tout de suite avec le Faucon Millenium, avec un nouveau look. Le voilà, le Faucon Millenium, tel qu'on le voit dans l'épisode 8. Il me semble que c'est dans l'épisode 8. Donc voilà, pas tout à fait pareil à l'avant hein, en particulier, et pas même du tout pareil à ce qu'on connaît de d'habitude, de la première trilogie en tout cas, et même de l'épisode 7 hein, il me semble. On peut pas en faire mieux le tour que ça là, si. Voilà, d'accord, hop, hop, c'est bizarre ça, j'arrive pas à faire mieux que ça. Voilà, en tout cas, avec cette forme particulière, Lando L337 qui conduit ce Faucon Millenium, pilote, conçu à partir d'un cargo YT-1300 entièrement rénové, le Faucon Millenium de Lando était aussi luxueux que rapide, lui permettant ainsi qu'à sa copilote L337 de se sortir des situations les plus périlleuses avec style. Mais non, mais oui, d'accord, c'est pas du tout dans l'épisode 8 qu'on le voit comme ça, dans la nouvelle trilogie, là, épisode 7 et 8, on le voit en normal, contrôlé par Rey. Et Chewbacca, piloté. Et là, c'est dans Solo. Ça vient de Solo, ce truc-là, c'est vrai. Maintenant, je remets tout ça dans l'ordre. Et donc, on va pouvoir jouer avec ce Faucon Millenium. Ce style particulier. Solo, arcade personnalisé, combat spatial en équipe. J'avais dit... Voilà, destroyer stellaire de classe résurgent. Ça, c'est pas mal, c'est un destroyer stellaire du premier ordre. Traverse sans escorte un champ d'astéroïdes isolés. La résistante compte profiter de cette opportunité pour tendre un piège imposant à l'imposant croiseur et le neutraliser. Donc, on va jouer comme ça. Attendez, ce que j'étais en train de me dire. Chasseur disponible. J'ai bien envie d'en mettre que 75, pas obligé de, parce que c'est un petit peu long quand même. Jeu libre, ok, ça me va bien. On est parti pour tester ce Faucon Millenium, autre style. Alors, il est là, ce Faucon Millenium, on va afficher ses capacités. Qu'est-ce qu'il a? Injection de coaxium, d'accord, confère au Faucon Millenium de Lando une accélération temporaire et annule le verrouillage des missiles ennemis, très bien. Tir synchronisé, se tire simultanément avec le canon dorsaux et ventraux pendant un court moment, ça c'est pas mal. Et L337 copilote,
37 peut marquer des ennemis et les signaler aux alliés. Les ennemis marqués subissent des dégâts accrus. Bon, ça faudra pas oublier de le faire parce que ça peut être sympa. Allez, voilà le Faucon Millennium avec ce style qu'on a découvert dans Solo. Ah ben alors là, un de ces champs d'astéroïdes ici, c'est chaud. Il est où ce chasseur stellaire là? Attends, voilà en moins déjà. Hop, hop, hop. C'était pas évident. Si on marquait tous les ennemis là, avec cette. Pour les alliés. J'aimerais bien voir où est le chasseur stellaire. Donc là, on a fait la super vitesse. Ah, il est là. Ça, c'est l'arrière. On va peut-être pouvoir le survoler. Le voilà, il est là, le truc isolé qui traverse un champ d'astéroïdes. Bon, on va peut-être retourner au combat. Ah, ben oui, on va retourner au combat. Bravo, faut dire que dans ce dédale d'astéroïdes, ça va être chaud. Avec un gros vaisseau comme le Faucon Millennium, mais bon. Mais d'accord. Je voulais regarder ce que c'était. C'était un vaisseau rebelle. Je l'ai regardé d'un peu plus près, et puis on peut dire que j'ai regardé de trop près. Tiens, là, on peut passer à l'intérieur du truc, là. Non, il y a un écran de protection. N'allons pas nous scratcher dessus bêtement. Ah tiens, on est en face, au-dessus d'une planète. Merde, mais où sont les ennemis, là? Ah voilà, là-haut. Si on regardait la vue intérieure un petit peu. Bon, ben classique. 30 chasseurs restants. Oh là là, mais je pense que je vais encore me cratcher. On va s'en sortir là. Oh, la vitesse, quasiment vitesse lumière, elle est belle. Quand on est de l'intérieur dans le cockpit là, c'est joli. Pour le moment, on peut pas dire que je les aide beaucoup, hein, mais mes compagnons. Allez, on utilise le ventral et le dorsal à la fois. Tragique, mais plutôt amusant. Ah ben voilà, un petit commentaire du. Il est où là? Merde, il faut retourner dans la zone de combat. Alors, il en reste 13. Allez, on va essayer de pas se scratcher. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, on marque des ennemis. Non, là, j'ai pas marqué des ennemis. Ça, c'est du vaisseau rebelle, c'est chez nous. Merde, dans celui-là, j'aimerais bien l'avoir là. Ah ben, en voilà un. L'autre, il est pas loin. Non, mais il est passé trop vite. Allez, on demande au copilote robot de faire son boulot. Oh merde, je suis passé trop près de cet astéroïde encore une fois. Ah ben la victoire. D'accord, on crève au moment où on est en train de gagner. Victoire de la résistance avec un petit peu de notre contribution, mais on s'est quand même beaucoup craché sur les astéroïdes avec notre Faucon Millennium, style solo de Lando Cradissian, bien sûr, comme c'est lui qui l'a créé. Et donc voilà, c'était une courte vidéo pour ces combats spatiaux hors des deux trilogies classiques, entre guillemets, puisque nous avions le X-Wing
de la nouvelle trilogie 789 et le Millennium de l'épisode solo. Je vous dis à plus tard.